lu par des dizaines de millions de gens. Le journal d'Anne Frank est un témoignage brut de la vie quotidienne des Juifs pendant la Shoah. Alors qu'une partie des écrits reste introuvable, deux pages ont récemment été découvertes. Voici la vie tragique et mystérieuse du journal d'Anne Frank. Le 3 septembre 1944, Anne, sa sœur, ses parents et les quatre habitants de leur cachette à Amsterdam sont déportés à Auschwitz. Tous juifs, ils ont été arrêtés après 2 ans cachés dans un appartement de quelques mètres carrés. Anne, la plus jeune, noircit les pages de son journal intime. Quand elle était dans l'annexe, elle essayait de s'isoler dans sa chambre, chambre qu'elle partageait avec Fritz Pfeffer. Elle avait un tout petit bureau, la chambre est très exiguë. Elle a écrit 99,99% du journal à l'intérieur de la cachette, puisqu'elle l'a reçu le jour de son anniversaire, le 12 juin, et ils sont rentrés en clandestinité début juillet. Anne se met à écrire sur les disputes dans l'annexe. Sa mère qui l'agace, le poids de vivre caché, son colocataire qui la dérange, son attirance pour Peter. Comme toute adolescente de 15 ans, Anne découvre sa sexualité. Elle s'interroge sur son corps, sur ses envies. Des passages très intimes qu'Anne rayera quelques mois plus tard. Elle se qualifie même de godiche dans des annotations à côté. En fait, il y a 2 journaux d'Anne Frank. Il y a le journal intime qu'elle débute et qui va lui servir après de fil rouge et de repère. Et il y a un journal qu'elle réécrit, un peu plus mature, un peu plus vieille. On n'écrit pas de la même façon quand on a 13 ans et quand on a 15 ans. Au cours de l'année 1944, Anne entend à la radio que le ministre de l'Éducation néerlandais en exil appelle tous les habitants à consigner leurs écrits et témoignages de cette époque. La jeune fille voit l'occasion de transformer son journal en un livre. Elle se met à réécrire son journal en piochant dans son journal intime et en rajoutant de nouveaux détails. Elle a conscience de la noirceur de ce que font les nazis. Ça transparaît vraiment dans l'écriture. Donc à la fois, on est sur une réécriture qui se veut plus légère et en même temps, elle a des pensées profondes qui affleurent et qui lui viennent. Anne rêve d'une publication. Elle écrit son nouveau journal à toute vitesse, mais n'a pas le temps de le terminer. Le 4 août 1944, la famille est arrêtée. Anne et sa sœur meurent du typhus à Bergen-Belsen. Seul Otto Frank, son père, rentre vivant. Pendant l'arrestation, le journal d'Anne, caché dans la sacoche de son père, avait glissé au sol. Les feuilles volantes de sa réécriture s'étaient dispersées. 2 femmes qui aidaient l'annexe récupèrent ce qu'elles peuvent avant que les nazis ne reviennent. Le jour où Otto Frank a confirmation par la Croix-Rouge du décès de Anne et de Margot, et donc qu'il apprend à Nip que ses enfants ne reviendront pas, c'est ce jour-là qu'elle lui donne ce dossier qu'elle n'a pas ouvert. Elle dit qu'elle ne l'a pas lu. Elle dit que si elle l'avait lu, elle l'aurait probablement détruit parce qu'il y avait trop d'éléments qui étaient dangereux pour les personnes qui étaient mentionnées à l'intérieur du journal. Et elle le donne à Otto Frank en lui disant « Monsieur Frank, voici votre héritage ». Quand son père découvre le journal intime, il est bouleversé. Sa lecture est lente tant les mots d'Anne le troublent. J'ai vu que je ne la connaissais pas. Le développement d'Anne, de l'âge de 13 à 15 ans, c'est un âge si difficile que beaucoup de parents et beaucoup de jeunes gens ont des difficultés. Oui. Même en lisant le journal, on ne doit pas croire qu'il y a toujours des querelles. Non, pas du tout. Mais Anne n'a pas écrit chaque jour. Il y a quelquefois une semaine, il y a quelquefois un mois qu'elle n'a pas écrit. Elle a écrit qu'il y a quelque chose, aussitôt qu'il y a quelque chose spécial. Otto respecte le désir de sa fille et décide de publier ses écrits. Il rassemble en priorité la réécriture. Malheureusement, durant l'arrestation, des feuilles se sont envolées. Des périodes manquent. Il pioche alors dans ses premiers écrits, plus intimes.
fin des années 1980, les négationnistes doutent de la véracité des faits et intentent un procès à Otto. C'est seulement à ce moment-là qu'il donne à la justice l'ensemble des écrits de sa fille. Les écrits sont authentifiés. Otto gagne. Il garde quand même 5 pages secrètes qu'il juge trop intimes et qui évoquent beaucoup son couple. Après le procès, la totalité des écrits d'Anne est publiée. Les 5 pages cachées ne sortiront qu'après la mort d'Otto Frank. 2 pages recouvertes de papier Kraft sont découvertes en 2018. C'est Anne elle-même qui les cache car elles contiennent des blagues salaces. Des feuilles volantes manquent toujours à l'appel. Malgré des fouilles approfondies de l'annexe, il est probable qu'elles soient encore cachées quelque part. Et qu'elles ressortent un jour.